Salut Meneko, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, ça c'est un unboxing pour mon anniversaire. Donc j'ai reçu une doll. Ben, j'ai reçu une doll. Donc ça va être ma première BJD de 70 cm. Donc ça va être un grand modèle. Donc on va le déballer ensemble et découvrir de quel modèle il s'agit. Donc ça me fait vraiment bizarre de voir un colis aussi gros et aussi imposant et lourd. T'as pas besoin de montrer aussi lourd. Donc voilà, allez, c'est parti. Donc là, on peut voir que ça vient de la compagnie Rindol. Donc c'est de la seconde main. J'ai acheté sur eBay. Alors j'espère qu'il n'y a rien de cassé et qu'il est en bon état. Un bon stock de papier bulle. Ça, c'est cool. Un petit peu cabossé, mais bon, ça c'est pas grave. Ce qui compte vraiment, c'est la dolle qui est à l'intérieur. Ah, c'est aimanté en plus, c'est cool. Ouais, oui. Je vais la mettre comme ça. Oui. Ta-da! Waouh, c'est incroyable la beauté. J'ai encore du mal à réaliser ce que j'ai entre les mains. Bien sûr, Goliath, il va ramener sa fraise. Wow, punaise. Oh, ça fait trop bizarre. Toki. Go, Toki. Donc là, c'est tous ses affaires. Le seul truc qui manque, c'est une ouïe. Mais le reste, normalement, il est complet. Oh, la taille des mains, c'est un truc de dingue. Comparé à une tulipe. Donc, qu'est-ce que c'est? Ah ouais, c'est pour dire par rapport aux habits, s'ils sont foncés, en fait, que ça peut déteindre, en fait, sur la résine. Donc là, on a, du coup, un petit dépliant sur la compagnie Rindol. Donc le créateur et directeur artistique de Rindol, c'est un monsieur chinois ou coréen, et il fait des choses magnifiques. Et il est aussi mannequin et il fait des photos incroyables. J'aime vraiment bien l'univers, le travail qu'il fait. Wow. Donc là, à mon avis, ça doit être le certificat, je pense. Donc, la petite étiquette. Goliath. Le chat, il s'amuse bien. Donc là, ouais, je pense que c'est le certificat. Une traduction. Make-up. Ah
Là, ça doit être des explicatifs par rapport à comment on met les yeux. Voilà, avec la pâte à fixe. Je ne sais pas du tout de quelle couleur ils vont être ces yeux. Je pense qu'ils sont bleus. Là, c'est la garantie. En différentes langues. Après le reste, je ne connais pas. Je connais pas trop l'anglais, mais... Hop. Je le sors. Mmh. Waouh. Qu'est-ce que c'est lourd. C'est beaucoup plus lourd. Oh, c'est incroyable. Le poids qu'il fait. Waouh, ça n'a rien à voir avec une VJD. Hein. Avec une pull, et puis fermez-moi. Ça, je vais le fermer pour pas que le chat y va dedans. Donc il est de couleur tan skin, comme vous pouvez le voir. Je vais faire la tête en dernier. On va d'abord commencer peut-être par les mains. J'ai tellement peur de l'abîmer. En tout cas, il est lourd. Je sais pas combien de kilos il peut faire, mais... C'est beaucoup plus massif. Ah, ça fait trop bizarre. C'est trop beau. Waouh, c'est dingue. C'est marrant, les mains, ils sont pas la même couleur que le corps. Mmh. Ouais, putain, c'est impressionnant. J'ai encore du bleu à maison là, de la commission que j'ai fait. Ouais, on va démonter ça. Ouais, en tout cas, il n'est pas cassé pour l'instant. La finesse des détails, tu vois. Les veines et tout, c'est un truc de fou. Oh, c'est incroyable. Putain, je pourrais m'éclater à le blucher. Faut que je rachète du MSC. Hop. Waouh. Son bras fait bientôt la taille d'une tulipe. C'est marrant comment ça... Ça n'a pas du tout le même. Je sais pas comment dire. La même façon de poser qu'une tulipe, quoi. Alors on va voir son corps. Il y a même des petits poils. C'est lire, c'est un truc de fou. Il y a des beaux abdos. Lulu, tu as déjà vu. Mmh. Voilà. Il est hyper fin. J'ai pas peur. J'ai pas le dos. Waouh, des orteils. Oh, c'est un truc de malade. Oh, ça fait trop bizarre. Ils sont trop doux. La matière, elle est super douce. Bon, le déballage, c'est ce qu'il y a de plus chiant à faire. Mais bon, je vous laisse le suspense pour la fin. Monsieur, comme vous avez de grands pieds. C'est marrant, la couleur des pieds, elle est pas pareille que les jambes. Quelques petites taches, mais...
poids, il est lourd. Il est trop beau. Et derrière. Waouh, c'est un truc de malade. T'as vu les articulations, comment elles sont énormes. Waouh. C'est tout des élastiques. Sa tête, elle paraît toute petite. Tu es prêt à voir sa tête? Waouh. Oh, il est beau. C'est dingue. Comment ça change d'une tulipe. Bon, il y a un petit accro au maquillage, mais bon, ça, c'est pas grave. Quelques taches à droite, à gauche, mais waouh, c'est incroyable. Super beau, hein, ouais. Sa tête, elle est toute petite. Ça... Elle fait ta main. Elle fait la taille de ma main. Comment ça va? Ah ouais, trop beau. Donc là, c'est le logo de Rindol. C'est un truc de dingue. Je me demande qu'est-ce que c'est comme taille, du coup, pour les yeux. Hop. T'as vu l'épaisseur de la résine? Voilà. Hop. Ouais, il est trop trop beau. Après on va voir ses habits. Ses habits. La socle. Windows. Yes. Au début, je dis c'est quoi ça, c'est une canne ou quoi? Je dis handicapé. Oh, regarde les habits, ils sont trop beaux. Mm. Oui, c'est du. Oh non, c'est du vrai poil. C'est du lapin. C'est hyper fragile comme on dit. J'adore les chaînes, c'est trop beau. Il va être dark. Mais bon, je vais pas lui mettre ses habits tout de suite parce que j'ai peur que ça... que ça déteint sur lui. Je vais lui faire son blush avant. Donc là, on a le petit pantalon du monsieur, du coup. Donc la petite ceinture et tout. C'est trop mignon. Avec les petites bretelles en X. Sa petite casquette, elle paraît bientôt 10 fois trop grande. Ça fait trop stylé. Oh, les bottes, oh, elles sont belles. T'as vu les pompes qu'il a? Elles sont trop belles. Wow. Oh, les détails, il est trop beau. Elles sont classe. Je kiffe. Oh, même les détails de la... Un dragon et tout. Putain, ils vont vraiment dans les mini détails. C'est un truc de malade. Sorti à mes numéros une croque. Un petit peu abîmé. Ouais, c'est dingue, hein. Donc voilà. Ah, ça me fait trop bizarre. Il est trop beau. Wow, c'est un truc de fou. Je vais bien le nettoyer. Et après, je pourrai faire son blush par la suite. Wow, c'est dingue. Et j'ai peur de le manipuler. Ses genoux, c'est trop space. Oh, c'est trop bizarre. Il est beau, punaise. Donc voilà pour le déballage du petit mec. Du grand garçon. Donc on se retrouvera dans une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt. Salut Meneko.